En fait, je m'impliquais déjà dans un petit comité qui avait été créé à l'École de langue pour penser comment gérer la demande croissante des mesures d'accommodation. J'avais déjà une espèce de préoccupation, voyant le nombre d'étudiants qui avaient droit à des mesures d'accommodation dans mes groupes, d'adapter mon enseignement. Alors j'ai plongé, tout simplement. Je me suis dit, je suis un peu lasse de voir toutes les pages blanches du français apprivoisé, donc je vais leur faire utiliser leur manuel de cours. Et à partir de là, on va construire pour les amener vers écrire sans faute. Qu'est-ce qui arrive si je les amène à régler, si on veut, le contenu théorique avant d'arriver en classe? Ils arrivent en classe, ils échangent entre eux juste pour s'assurer qu'ils ont bien compris. Et après ça, on se met vraiment à travailler concrètement sur des erreurs de langue, puis sur l'écriture. J'ai rouvert mon français apprivoisé, puis là, je leur ai monté des documents synthèse qu'ils devaient remplir, arriver en classe, comparer avec les collègues. S'il y avait des questions, des choses pas claires, on revient en plénière, j'y réponds, on s'explique des choses. Et après ça, on s'en va dans des activités de compréhension pour s'améliorer. Les synthèses, entre autres, que je leur donnais, étaient toujours en format Word, en me disant comme ça, ils vont pouvoir jouer dedans s'ils veulent ajouter. Entre autres, j'ai des étudiantes dans l'ES, qui faisaient des synthèses, mais tu sais, elles allaient fouiller partout dans les documents. Je m'attendais pas à ça, mais ils sont arrivés, puis c'était coloré, c'était beau, c'était structuré, mais il n'aurait pas pu le faire si le document avait été, mettons, formaté en PDF figé, là. Donc, non, ça, je trouvais que ça leur donnait une certaine flexibilité aussi. Je me suis rendu compte qu'on a créé un climat de classe qui était extrêmement intéressant. Les étudiants participaient plus. Je les sentais beaucoup plus impliqués dans le travail qu'ils faisaient à l'extérieur de la classe, ce qui était un de mes défis, là. Il reste que j'ai senti un impact très positif. Puis pour moi aussi, ça m'a fait du bien de. Comment dire, je fais beaucoup participer mes étudiants en classe, mais ça m'a fait du bien d'essayer quelque chose de complètement nouveau aussi. Ça a été un ressourcement pour moi aussi. Je crois que la CEA peut avoir des impacts bénéfiques pour les étudiants qui sont en situation d'accommodation parce que justement, elle oblige les enseignants à vraiment mener une réflexion approfondie sur comment est-ce que je peux adapter mon enseignement au plus grand nombre. Donc, de pas juste proposer une façon d'enseigner qui est valable pour tous. Mais ça peut être aussi les étudiants non francophones. J'aimais beaucoup cette idée de leur donner les textes à l'avance pour qu'ils puissent déjà s'approprier le vocabulaire, la syntaxe et arriver en classe, puis déjà mieux comprendre le discours du professeur. Puis des fois, c'est juste des petits détails, mais je crois beaucoup dans l'enseignement à la variété et à la nécessité de varier au cours d'une session nos approches pour essayer de rejoindre tout le monde au moins une fois. Donc la CEA, je trouve ça extrêmement positif. Je l'avoue, j'étais un peu partie avec une espèce de vision un peu négative en me disant est-ce que ça va nous amener à justement baisser toutes nos exigences. Donc en fait, cette année, en explorant la CEA, en discutant avec les collègues pour voir ce qu'ils faisaient et tout, les collègues dans le sens où, à l'échelle du campus, là, pour les collègues juste de l'école de langue, en fait, j'ai revu mon point de vue là-dessus, puis j'en suis très contente, là, parce qu'au fond, c'est pas de niveler par le bas, c'est juste de. Au fond, ça allait déjà dans quelque chose que j'essayais de faire, c'est-à-dire, je l'ai dit, varier, adapter. Pousser très loin la réflexion pour dire comment je peux rejoindre ce type d'apprenant en particulier. Donc, ça, quelque part, ça a été très rassurant comme expérience, je dirais.